Je vous propose ici une hypnose. L'objectif est de rédiger une lettre au subconscient en pensée. Cet exercice vous permet d'amorcer le changement de façon consciente et inconsciente, avec beaucoup de douceur et de bienveillance envers soi-même. Je suis Fanny Coffrier, accompagnatrice pour un mieux-être. Vous pouvez découvrir mes pages Facebook, celle de Courant Indigo ASBL et celle de Coaching Énergie. Je vous envoie mes rayons d'ondes positives, confiante dans le pouvoir de chacun à retrouver son potentiel à être pleinement heureux et même à guérir de ses blessures. Cet exercice que je propose ici commence par une relaxation pour vous permettre d'entrer plus facilement en transe hypnotique, même si celle-ci vous semble légère. Laissez faire. Pour les plus réticents à l'hypnose, vous pouvez aussi écouter le texte une première fois, les yeux ouverts. Tout en étant conscient de ce qui se dit, vous serez rassuré et l'exercice sera ensuite plus profitable. Notez aussi que vous pouvez recommencer l'exercice autant de fois que vous le souhaitez. Et aussi de façon autonome sans être guidé par ma voix. Cela est tout à fait possible. Faites-vous confiance. Si vous le souhaitez, prenez quelques minutes pour rédiger un brouillon à l'écrit avant de faire l'exercice. Mettez sur pause si cela est nécessaire et revenez à l'écoute de cette méditation guidée. Voilà. Trouvez une position confortable. Descendez avec moi dans votre espace intérieur, un endroit calme en vous, un lieu où vous êtes en parfaite sécurité. Pour y parvenir, nous allons descendre ensemble les 5 marches d'un escalier qui donne sur cet espace à ciel ouvert peut-être, dans lequel vous vous installerez pour rédiger la lettre à votre subconscient. Fermez les yeux afin de faciliter la connexion à vous-même, et vous pouvez aussi choisir de garder les yeux ouverts tout en fixant un point devant vous. Allons-y. Vous êtes déjà installé confortablement. 5e marche. Votre corps se détend déjà et les pensées passent. Tes pensées vont profiter de ce moment de détente pour nager à la surface, et peut-être est-ce déjà le cas. Respirez. Et expirez l'air consciemment. En poussant ces pensées comme des nuages que vous soufflez et qui passe. Et c'est facile. Libérez-vous de toutes les tensions musculaires dès maintenant, lors de chaque expiration. 4e marche. Votre corps physique se détend de plus en plus. Vos jambes, votre dos,
votre ventre, votre poitrine. Les bras, tout s'allège. Respirez profondément et laissez faire. Plongez dans cette détente du corps et de l'esprit. Vous êtes ici et maintenant. Et vous restez à votre âge actuel tout au long de cet exercice. Savourez ce moment. Troisième marche. Ayez confiance en vous. Vous êtes capable de descendre en vous pour une meilleure connexion à vous-même et aussi capable de vous réveiller si cela s'avérait nécessaire pour un quelconque besoin. Quand nous arriverons au-delà de la première marche, vous serez complètement détendu et vous accéderez facilement à votre espace de relaxation, un endroit calme en vous, un lieu où vous êtes en parfaite sécurité. C'est au tour des muscles du visage de se détendre complètement. Et vous profitez déjà d'une relaxation du corps et de l'esprit. Détendez-vous encore plus. Deuxième marche. Les bruits extérieurs s'éloignent et vous permettent d'entrer encore plus facilement dans votre espace intérieur. Un endroit calme en vous, un lieu où vous êtes en parfaite sécurité. Première marche. Il vous suffit de taire le mental et de laisser une part de vous faire la part des choses et mettre en lumière les détails, les demandes, des projets, éclairer des chemins vers des solutions. Permettez-vous d'opérer les changements nécessaires pour votre bien-être et respirez. Au-delà de la première marche, vous accédez enfin à votre espace intérieur. Un endroit calme en vous, un lieu où vous êtes en parfaite sécurité. Respirez profondément et installez-vous dans cet endroit. Écoutez. Prenez conscience au plus profond de votre être des ressources extraordinaires disponibles dans votre fort intérieur. Vous allez y avoir accès maintenant pour votre accomplissement. Par l'intermédiaire de votre subconscient, vous pouvez changer. Vous pouvez avec facilité atteindre vos objectifs. Le subconscient a tous les pouvoirs, toutes les possibilités.
toutes les connaissances. Tout lui est possible. Voyez-le comme un employé fidèle. Un employé fidèle à votre service. Maintenant, imaginez. Visualisez une feuille de papier, blanche ou colorée. Épaisse ou plus fine. Et aussi, voyez un crayon ou un stylo ou une plume. De quoi écrire? Vous allez maintenant écrire une lettre à votre subconscient. Vous êtes bien installé dans cet endroit où vous vous sentez en sécurité. Prenez le temps de formuler vos demandes. Et quand votre idée se précise, écrivez ce que vous désirez. Choisissez des choses qui sont importantes pour vous. Vous pouvez n'avoir qu'une demande. Vous pouvez en avoir plusieurs. Des grandes demandes. Des petites. Écrivez vos demandes sur ce papier, cette feuille. Même si cela vous semble étrange, peut-être continuez. Ajoutez des précisions si vous le désirez. Observez aussi le bruit. Entendez le frottement de la mine ou de la plume sur le papier. Peut-être sentez-vous aussi le parfum du support ou de l'encre ou encore
des effluves particulièrement agréables qui se dissolvent dans cet endroit où vous vous êtes installé. Maintenant, déposez le crayon ou la plume et prenez votre feuille de papier avec vous. Vous allez apporter votre liste de demandes à votre subconscient. Faites le voyage à l'intérieur de vous. Vous faites la route en suivant les indications. Vous prenez les routes nécessaires et vous tournez là où c'est indiqué. Vous arrivez devant un bureau bien indiqué, bureau du subconscient. C'est un très bel endroit. Et il y a une personne à la réception. Elle vous dit qu'elle est en charge des requêtes pour le subconscient. Alors vous lui remettez votre lettre. Et vous savez que vous êtes au bon endroit. Vous repartez confiant, avec la certitude que vos demandes seront réalisées sous peu. Ressentez cette certitude en vous. Et progressivement, votre inconscient vous permettra de vivre les événements tels que vous voulez qu'ils se produisent. Jour après jour, vous constaterez une nouvelle confiance en vos capacités, en vous. Vous êtes attentive aux différents signes autour de vous. Et vous trouvez qu'effectivement, tout devient facile.
Il est temps à présent de sortir de cet état méditatif et de revenir à la pleine conscience de notre réalité physique. Ressentez déjà la gratitude pour ce moment de connexion à vous-même et des moments à venir. Sortez de votre endroit sécure et remontons ensemble les 5 marches de l'escalier. Quand j'arriverai à 5, vous ouvrirez les yeux. Vous serez parfaitement conscient, détendu et l'esprit apaisé. Si ce n'est déjà fait, vous quittez votre espace intérieur. L'endroit calme en vous. Première marche. Maintenant, votre corps sent à nouveau l'énergie circuler en lui avec beaucoup de douceur. Deuxième marche. Les jambes se réveillent, le dos, le ventre, les épaules. Et vos bras aussi. Respirez profondément. Troisième marche. Quand j'arriverai à 5, vous ouvrirez les yeux et vous serez parfaitement conscient, détendu et l'esprit apaisé. Respirez profondément. Quatrième marche. Maintenant, souriez et ressentez les muscles du visage illuminer votre sourire et bouger la tête délicatement. 5. Ouvrez les yeux et revenez à la pleine conscience de notre réalité physique. Vous êtes parfaitement conscient, détendu et l'esprit apaisé. Merci.